dernièrement, le 25 dernier, je pense, oui. C'est Édith Tremblay qui était dans un party sur l'île d'Orléans. Et la police est allée et c'est devenu 2 heures et demie de divertissement de qualité questionnable. Il y a quelqu'un du Fridge, j'ai oublié son nom, ou blablabla, qui nous a fait un montage de 20 minutes de cet événement qui a originalement duré 2 heures et demie de honte. J'ai demandé une partie de mon terrain, encore là. On veut juste que tu quittes le terrain si on appelle le fin. C'est agressif, c'est sur mon terrain, enlève-toi. Est-ce que vous voyez qu'on vit dans un état de droit? Mais si on vit dans un état de droit, là, bougez d'ici tout de suite. Parce que sinon, vous êtes en train de violer notre demeure en ce moment. Est-ce que vous respectez la loi? Ou est-ce que vous faites votre loi? Est-ce que vous faites votre loi, monsieur, ou vous respectez la loi? Non, il y a deux choix. Il y a deux choix. Soit vous respectez la loi, ou soit vous faites votre loi. Présentement, vous êtes en train de faire votre loi. C'est ça. Merci de quitter. C'est des rats, pareil. Ouais, c'est des rats. C'est drôle. Eventually. Au niveau des rassemblements, c'est nous qui t'interdit. Mais ça, vous avez loué cette maison que vous avez louée? Avez-vous voté les mandats, monsieur? Est-ce que vous allez collaborer? On vous dit, là. Il faut. Là, on peut pas avoir une personne de différentes adresses sur place. Ok, est-ce que vous acceptez tout ça, vous collaborez, tout ça, puis les gens quittent, tout ça, ça peut se terminer là. Je veux dire, il y a plus party, plus si la police est dans le cas. Ils sont pas bons pour nom au numéro de matricule? Oui, ça vient gagner. Ok, matricule? Oui. Le matricule? On est pas rendu celle-là, tu t'appelles encore, là? Ben, si je te demande de t'identifier. Je vais me nommer. Ben, ton matricule, t'as donné ton nom, mais. Vérifier avec la personne. C'est quoi, c'est quoi, je vérifie avec la personne. Pour ça. Bon. Party fini. 6 hours later. Il cogne, je pense qu'il cogne. Il y a quel en plus? Aïe, joli. C'est en live, mes amis, là. Moi, je vais prendre ma sacoche, je me sens en sécurité. Pour ceux qui sont là. Où est-ce qu'elle est, ma sacoche? Je vais continuer à filmer pour vous autres. Gars, c'est pas ma sacoche. Très important d'avoir une sacoche, mes enfants. Ça cogne à la porte en plus. Ça, c'est bon. La dame là, qui parlait, là, qu'on a vu en premier, là, qui a les cheveux roux, comme, c'est elle, la femme de Sherbrooke, la Sherbrookeoise à la voix d'or, qu'on a entendu dans le Holda Yoton. Ok, oui. Quand on a un peu hijacké leur. Oui, le Holda Yoton. Le convoi. C'est ça, le tour de machine auto. Il y a plein de 901, on n'est pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé? C'est elle qui disait ça. Elle se demandait quand elle devait partir de Sherbrooke ou pas trop. Je le permets, mais dans la vraie vie de tous les jours, ils n'ont aucun droit de faire d'être sur le terrain. Ah, ils voulaient-tu sortir par en arrière et il y avait des polices en arrière? Décret sanitaire. Ah, la dictature au Québec. Attends, je vais faire des photos. Veux-tu sortir, Batin? Là, ils ont un mandat. Denis! Sont là depuis 9h ce matin. Ah, merci pour l'abonnement à Iron Man. Tiens, je te donne un Arthur. Rio Cannigan Valley. Ça les connaît les droits, elle. Tu vas-tu contre maquiller un peu, Chino? Ah non, 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 non. Chino, ok, non. Il est pas maquillage. Ben, ils connaissent le droit, ils ont entendu Joe l'Indigo. Joe, il a dit que t'as pas le droit de rentrer. On est tellement dangereux, là, on est criminels. Donc, c'est pas nécessairement des criminels, mais des irresponsables. Excuse-moi.
Bon, le mandat conforme, ça qui est une heure avec ça. Là, monsieur, je t'en dis qu'il y a une femme enceinte et qu'il y a des enfants. Oh, 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 nos pancartes, Tommy, nos pancartes! Hey, ils sont où? On va laisser Chinook manger. Votre job, c'est effrayant. Chinook va nous trouver ça. Enfin! Bravo! Est-ce qu'on peut avoir votre numéro de matricule à vous aussi? Avec moi, tu sais, comme moi, j'ai 4 téléphones. Moi aussi, là, j'essaie de respirer, là. Ça veut dire que vous saviez que vous faites de quoi être pas correct. Un autre aussi, ici. Hey! Ils ont toutes le UCL allumé. Vous filmez la même affaire. Tout le monde filme la même affaire. La personne a été patiente d'aller trouver les deux hommes. Mais. Oui, monsieur, on va s'en occuper, ça. Monsieur. C'est les documents. On va aller porter les documents. Les documents. Est-ce que pain de viande? J'en ai que clip de pain de viande cette semaine. Il a dit une de mes phrases préférées de l'année. Là. Les documents, hein? Non. Il dit « Allez-vous me colisser patience avec mes sources? » Ah, faut que je mette ça parce qu'on a d'autres petits pas de rêve, nous autres. Qu'est-ce qu'on fait? Ça devait être le fun dans le site party de Noël là, mais que la police arrive. Allumer son cerveau, tout le monde a le droit d'allumer son cerveau. Là. On n'est pas obligé de suivre. L'affaire, monsieur, c'est que là, ils ont permis à une personne seule. Moi, quand je suis ici, je ne savais pas qu'on était ici. Pour vrai? Qu'il était pas mal du monde. Mais... c'est dommage gentil. Merci, maman. Merci, maman. C'est les nouilles de Noël. Ouais, je vais contester, là, moi. T'as-tu? Je vais contester. Non, je viens de manger un livre de poulet. Je t'aime, Chris. Va chier. Aïe, aïe, aïe. Edith est heureuse. Ouais. Ouais, j'étais fatiguée. C'était avant 1550 piastres dans le trou. C'est pour ça que j'ai couché ici. Six hours later. Moi, j'ai travaillé 3 ans à la Société du Québec, OK? Puis ça, mon courriel à moi, j'avais reçu Nuremberg. Nuremberg. Que tu juges illogique, tu as le droit de désobéir à un ordre. C'est le code de déontologie, c'est Nuremberg. Voyons, sacrément. Tu sais, mettons, quelqu'un arriverait dans la rue, veut te coller, de voler. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Nuremberg, man! Nuremberg! Nuremberg! Tu peux pas te coller, c'est de voler. Puis là, tu dis, non, Nuremberg! Alors, il y a des avocats qui sont en train de faire des grosses démarches partout à travers le monde. Ils sont stationnés présentement. Partout à travers le monde. Les avocats québécois, il y en a partout à travers le monde. Et là, on est au tribunal international. Là, elle se filme pendant qu'elle parle à l'autre. C'est donc bien, ça. Bill Gates, ça va s'en aller en prison. Bill Gates s'en va s'en aller en prison. Ça devrait pas être subventionné par des fonds privés, ça devrait être des fonds publics. Puis l'OMS, Le ménage va se faire. OK, fait que l'OMS, c'est correct, finalement. C'est là. Puis je veux dire, Donald Trump, c'est celui qui a décidé du côté des fonds publics de dette. Puis c'est un informaticien. Tu veux juste ça normal? Ah, tout le kit. Ouais, je sais. Surtout la famille Rockefeller. Ça a l'air d'être du monde le fun, pareil. Mais ça, on est voir jouer à l'hostie
jeux, toute la gang ensemble, ça doit être agréable. Il n'y a plus de party. Ça doit être agréable. Hey, ça fait deux heures, c'est Noël pour tout le monde. Là. Ah là, les policiers se font shooter des sites internet. Est-ce qu'il y a hâte de crier? C'est un gros pommier, genre, qui avait ramassé vraiment de l'argent pour se défendre, genre, non, on le fait. Ouais. On est en train de donner des étiquettes à du monde qui sont heureux, puis qui connaissent les lois, puis les chartes. Moi, je suis immunisée contre cette maladie-là, en plus. Hein? Non, c'est ça. Moi, en plus, je suis immunisée contre cette maladie-là. Police de Montréal, ça, c'est la Gestapo, ou je sais pas trop, là. La Gestapo, ou je sais pas trop. Tu sais, parce qu'il y a plein de sortes, là, de... Ah, toi, tu penses les nazis, les SS, genre les Gestapo, ouais, ça tout, serait les moins. C'est toutes des sortes. Ouais, ouais. Ouais. C'est pas toutes la même affaire. Non, non, ben non, t'as entendu, hein, c'est un genre de Gestapo. Ok. T'es là, t'es là, t'es là. C'est gros fun. Regarde ça, ça. L'allégresse, hein, l'harmonie. Ils sont tous en train de se faire des lives. Ah oh ouais, il y a plus de sel que de police. Lui qui est en train de donner des leçons de loi aux policiers. Ouais. Un peu a déjà travaillé pour le. 3 ans. De ce qu'elle dit, là, elle dit pas mal d'affaires. Ouais, elle est brigadière, genre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les brigadiers et les brigadières. Mais... Il y a des SS qui ont tiré sur du monde parce qu'on leur a dit. À Montréal, c'est de la SPVM. Vous avez des gars, nous. Nous, on a rien. On est avec des guns, c'est intimidant, c'est dangereux. C'est des guns, c'est de l'intimidation. Ouais, monsieur gardien pour plus tard. Il semble de voir le policier arriver quelque part, il y a un voleur. Excusez, monsieur, on ne devrait pas vous intimider. Là, mais... C'est juste le monde qui filme qui parle. Là. Les policiers ont l'air de parler de leur. Ben, c'est qui juge qui a fait ça le 25 décembre? Moi, ça pique ma curiosité. C'est vraiment niaiseux. Des juges qui étaient payés à nan et nombre pour avoir des prisonniers, on a que ça fait longtemps qu'ils étaient là, qui étaient en détention préventive. À tous les jours, les prisonniers allaient comparer. C'est sûr que tu as colissé le code de déontologie d'un vidange, je veux dire, ça, d'un live. Ah oui, à tous les jours. Puis là, je disais à ma chef d'équipe, comment ça qu'ils vont comparaître à tous les jours? Ouais, eux autres font juste donner étiquette pis ils décalissent. Eux autres, là, ils sont comme, OK. Qu'est-ce que je fais comme job à la Sûreté du Québec? J'avais une job importante. Ils t'écoutent même pas, Edith. Je suis sorti du bureau à 10h le soir pis que j'y prenne appel entre 16h et 16h35 un vendredi soir. Ils arrêtaient dans la maudite merde. Mais ça, si je balance ça aux médias, là, ça va. Pouvez-vous y mettre un bas dans la bouche? Si je balance ça aux médias, elle dit ça d'un live avec des polices dans la pièce. Je vais en dénoncer des affaires, là. Vous ah allez ouais. Pas croire à ça. J'en ah ouais. Fait, elle essaye de faire peur à la police. Ouais, je pense que oui. Hours later. La première fois que je vis ça. La première fois que le monde vit ça. Oui, c'est vrai. Le monde que les gens. Hey, 307, ami. Salut tout le monde. La dernière fois qu'il y a eu des descentes comme ça, c'était pendant le régime nazi. Oh, ouais. Ouais. Au Rwanda, ils cognaient avant de rentrer avec des machettes et de débuter toute la famille. N'oubliez pas d'aller voter, hein, je vous mets les liens. Là. Tout le monde part dans quelques minutes, il faut juste qu'ils comprennent que ça prend un peu de temps que le monde s'en aille. On va attendre de partir, se retrouver dans notre individu. Fait que le monde pack leurs affaires, porte ça leur chambre, on va des bien, des choses. Ah, si on conteste, on va le savoir. Ça veut dire que la voisine ou la voisine va être obligée d'aller. Ah, merci, monsieur Sdouet. On va voir, c'est qui? C'est essentiel du web, son site internet. Il avait fait un article sur Alexis Cossette tout d'elle. Ils ont le droit de le dire. Ils servent plein parce que moi aussi, quand je donne une infraction, on me demande. Alain, salut! Tranche de steak. Tranche de steak! Steak, steak, steak. Il parlait du deep steak! Ah oui, sûrement. Fais des petites recherches. Il parlait du deep steak et du monde qui met plein de steak. On est partout.
peux pas. Il peut pas nous demander de partir si on a bu. Il peut pas nous demander d'être en infraction à la loi. On peut pas nous demander de partir si on est sous. Tout simplement. Ouais. Il y a plus d'autre chose à dire, c'est tout. Ouais. J'aime ça comment est-ce qu'il est. Later. Later. On va voir ce matin qu'ils attendent justement pour leur mandat. Les bons publics bien investis. Ouais, ouais. Later. Ok, non, là, je cherche mes bottes aussi, tu sais, je peux pas m'en aller du pied, là, je cherche mes bottes. On est trop sous, on peut pas s'en aller. Ah ouais, hein? Viens-t'en dans le char. Mes bottes. Oups! Ah, la phase de charger des bottes, j'aime ça. Quelqu'un, il faut lire nos droits, hein? Oh, ta gueule. Ben, nos droits, ils n'ont pas été lus. Ah, oh, t'as le droit. Ah, oh, t'es. Oh. Là, je veux pas qu'elle me touche, hein? J'ai été blessée, moi, par des policiers à Montréal. Je veux pas qu'elle me touche. Fait que dis que je veux pas qu'elle me touche. C'est la sûreté qui enquête. Maman. Personne ne me touche, là, je m'en vais. C'est à qui l'étiquette? T'es sûr, c'est à moi? C'est le mien, lui. C'est pas le mien, lui. Hey, es-tu fatiguant? Que je vais me filmer tout le long pour pas qu'il m'arrive des malheurs pendant que je suis dehors. Hein? Ben parce oui, qu'elle m'a dit que j'étais en état d'arrestation, mais là, non, elle me poignera pas. Elle m'a dit que j'étais en état d'arrestation, je pense, mais moi, je veux pas qu'elle me poigne. Écoute, j'ai rien fait, j'ai juste demandé de souffler dans une balloune. Là, si c'est rendu même au Québec, là, j'ai 20 valeurs, mais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je mets mon cellulaire, puis je filme, puis je fous le camp. Hey, c'était rough en esti. Ça, j'entends de la pionisation, là. Ouais. C'est quand qu'elle est revenue de son voyage. En fait, c'est surtout pour parler de Lucie Mandeville ici, parce que la dame qu'on vous a parlé tantôt, qui revenait de voyage de Suède et qui est une ancienne psychologue à la retraite, je pense que c'est le terme utilisé par l'article, est revenue de voyage et est allée le 25 décembre dans les salons, dans des maisons de retraités pour chanter des tunes avec Yvan Pion et faire des câlins. C'est donc, si on compte bien, 8 jours après son retour au pays. Et elle n'a pas respecté la quarantaine, comme on peut voir juste c'est là. C'est Yvan de Grand Prix. Ouais. Yvan de Grand Prix, j'aime ça. C'est des affaires qu'eux-mêmes ont mis sur Internet. Ah ouais. C'est des preuves incriminantes, gros comme le bras. The new All New Soberman 2021. Sébastien, t'es con. Les enfants. Fait que joyeux Noël, j'espère que vous avez vécu ça smooth, tout le monde. On a fait une messe pastafarienne, nous, ici, ça a été très drôle. Merci d'avoir embarqué. On s'en fait parler un petit peu, hein, de certains bouts en particulier. Ben oui, on a canalisé, hein, ça nous ben oui, puis on a compté 4300 motherfucking cartes aussi. Oui, ouais, on a compté 4553 Wall of Wood. On est rendu avec un nouveau Globo. Chinook a fait 3 performances immortelles. Moi, j'ai encore mal l'estomac. Tony Bennett. Chinook qui chante, c'est mon cocktail menu de bonheur. Chrétien, écoute, ça doit contrevenir à la convention de Genève. Ouais, la fin. C'était génial. Mais en plus, moi, je me disais, check bien ça, si c'était vieux-là, c'est pas les parents qu'on suit, qui les ont, genre. Aucune idée. Tu sais, qu'ils ont poussé là, à dire non, Noël, là, on fête ça cette année, là, comme toutes les autres années. Puis... on va même inviter des chanteurs pour chanter des chansons. Je sais pas. Ça serait pas surprenant. Mais là, ils sont allés donner de la joie à 3 personnes. Ils auraient pu rester chez eux puis faire ça par Zoom puis rester légal. Scooby-Doo. Il était 2, eux autres. Il y a la personne qui filme aussi. Merci, Geisha Twitch. C'était notre première. Là, on va se pratiquer d'avance. Chinook
On manquait de passoire un petit peu. Hein, des, peut-être des pirates aussi, parce que les pirates, c'est des figures importantes. Pour aye, les, c'est un film de chien, Tommy. Okay. Le chien Yvan, de Noël. Yvan de Grand Pré et le chien de Noël. Depuis l'enfant ça nuit à la convention de Genève en tabarnak. Tu vois ça drôle et sarcastique, la messe, mon genre, ben à 100%. Merci, Yancy. Thank you. Noël, avec Yvan Pion de Noël. Oh ouais, Yvan de Grand-Pré chante Noël chinois. Ah, bon, ça, bon. C'est, ça me tente pas de le lire au complet. Là. C'est juste pour dire que son syndic du barreau lui a demandé d'enlever son vidéo à Cunégonde de Gagar 64. Oh, pain de viande! Là, je vais mettre quelque chose au clair là, qui me tape ses nerfs depuis longtemps. Là. C'est les hosties de cabochons qui viennent me demander là, c'est quoi mes calices de tabarnak de sauce. Là. Gal, tu ne sais pas, là. Premièrement, je m'en tabarnak. Deuxièmement, je fais ça sur une base volontaire. Je passe 8 heures par jour à faire mes recherches. Je pense que je sais de quoi que je parle. Ouais, ben oui, c'est le prochain qui vient m'écœurer avec c'est quoi ta calice de tabarnak de ça, je vous bloque. Je commence à...